Bonjour, je voulais vous parler d'une technique qui me tient vraiment à cœur et qui m'a beaucoup aidée dans ma pratique de psychologue clinicienne qui travaille depuis 15 ans avec l'EMDR. Et cette technique s'appelle la TAT, la Tapas Acupressure Technique. Elle a été inventée par Tapas Fleming aux États-Unis il y a une trentaine d'années et elle est arrivée en Europe il y a une dizaine d'années. Et c'est vraiment une technique assez efficace par rapport au champ du trauma. Et qui, moi, m'a beaucoup aidée à travailler sur des traumas que je n'arrivais pas à traiter en EMDR parce qu'en EMDR, ça crée trop de revivescence. Et grâce à la TAT, j'ai pu toucher et aider à dissoudre certains traumas, comme des traumas sexuels et des traumas liés aux guerres ou des traumas chroniques de l'enfance en très peu de séances. La TAT m'a vraiment permis de pouvoir travailler autour de traumas de manière douce et respectueuse et parfois de même pas savoir ce sur quoi je travaillais et de partir à partir d'une couleur, voilà. Et même ce qui est incroyable avec cette technique, c'est que les personnes ne revivent pas du tout leur trauma. C'est vraiment, ils sont comme en dehors de leur trauma, restent toujours en dehors de leur trauma. Donc on n'a pas d'abréaction violente comme on peut avoir dans d'autres techniques. Cette technique est très simple, elle dure plus ou moins une demi-heure. Il y a 8 phrases qu'on dit dans cette technique tout en gardant une pause, cette pause-là qu'on appelle la pause TAT. Et dans cette pause-là, on va dire des phrases qui vont permettre de travailler autour de nos blocages. Ça peut être des traumas, mais ça peut être aussi de la tristesse incompréhensible, ça peut être des parts de nous qui ont souffert, ça peut être plein de choses différentes. C'est une technique très douce, respectueuse, parfois méditative même, et on peut travailler soit en individuel, soit avec tout un groupe, sans même savoir ce sur quoi les uns et les autres travaillent. Cette technique m'a tellement apporté dans ma pratique autour du trauma que j'aimerais vraiment vous la transmettre. Et c'est pour ça que j'organise différentes formations à ce sujet. Et vous aurez toutes les informations en bas si vous êtes intéressé. N'hésitez pas non plus à me contacter pour plus d'informations.